Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, je vais vous montrer mes idées de coiffure que je fais avec les cheveux frisés, hashtag un tout petit peu crépus. Genre je suis plutôt genre 3C, 4A. Et du coup je vais vous montrer des coiffures simples. Faut que j'aille chercher mes élastiques parce que sinon ça va être la mort. Je reviens. Ouf. Donc moi je vous avoue, genre j'ai pas besoin de trop de boutons d'élastique, j'en ai deux et je vous conseille vraiment d'acheter des élastiques en tissu, en soie comme ça, pour éviter la casse. Je mettrai le lien à AliExpress de toute façon en description. Donc c'est vraiment rare que genre je sors vraiment comme ça, ou alors quand je suis en soirée, quand je suis à l'intérieur, parce que sinon avec le vent et tout, genre ça gonfle. En plus là j'ai à peine de faire ma routine, donc ils sont encore un peu humides. Alors par laquelle je vais commencer? Donc souvent moi j'aime bien garder ma mèche, je trouve que ça me va bien. Donc souvent je sépare comme ça, hop, hop, et je prends les deux côtés comme ça et j'attache derrière. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc soit je fais un truc comme ça, soit je fais une sorte de mini queue de cheval pour que ça ressorte. Donc non, souvent je fais pas ça. Souvent je fais pas ça, je fais juste donc juste j'attache derrière comme ça, en mode moitié chignon. Et comme ça voilà, mes cheveux, je perds un peu de volume et je trouve que ça me va bien derrière. Hop, donc ça c'est la première coiffure. Ensuite, la deuxième qui ressemble, de toute façon je l'ai déjà montré dans ma vidéo 5 idées de 5 coiffures faciles. Voilà, je divise en deux comme ça là et je fais une sorte de queue de cheval. Hop. Donc voici la variance. Donc ça c'est la deuxième. Là, ensuite, ce que je peux faire c'est j'enlève la frange et je fais juste comme ça. En mode, ça me fait trop penser à Britney là. Et donc, il y a celle-là, ou alors genre je mets des mèches devant là. Hop. C'est à peu près pareil. Donc voilà, la troisième coupe. Sinon, il y a une autre coupe que j'aime bien faire. Cette fois, vous aurez besoin de deux élastiques. Donc, je me rapproche. Hop, et je diminue la quantité de cheveux vers l'avant. Alors là, ce que je fais, c'est que je divise mes cheveux en deux. Enfin, en deux. Et je prends, vous voyez, au-dessus de l'oreille, comme ça, là. Et je prends pas tout derrière, je prends genre juste, on va dire, un quart. Et je fais une sorte de couette. Voilà, je fais plusieurs tours. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Donc hop, au-dessus de l'oreille. J'essaie de prendre la même quantité de l'autre côté. Voilà, hop. Je pense que j'ai foiré. Attends. Ah bon, c'est bon. Voilà. Du coup, ça fait une sorte de couette, mais ce que j'aime bien, c'est que ça peut. Genre, j'ai la partie en bas. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de vous remontrer les coiffures que j'ai faites dans mon autre vidéo. Donc, il y avait celle-là que j'aimais bien. Après, genre, vous pouvez alterner, genre, pour faire en mode chignon comme ça. Hop.
Oh, ça fait kawaii, j'aime bien. Hop. Voilà, comme ça. Je vous avoue, j'ai eu l'inspi des coups avec la nouvelle saison de Never Have I Ever. Il y a la meilleure amie, elle est comme ça, donc ça fait genre vraiment kawaii. J'avoue, le chignon, je les ai un peu mal fait, mais c'est bon, vous savez faire un chignon, donc ça fait comme ça. Sinon, il y a quoi d'autre comme coupe? Je réfléchis, j'ai pas préparé ma vidéo en avance, je suis désolée, donc je réfléchis un peu dans le tas. Donc voilà, ça c'est ma... En fait, donc voilà, ça c'est mes 5 coiffures préférées. Vous pouvez m'en donner d'autres idées en commentaire, j'hésite pas. Mais en fait, genre de base, genre je suis assez simple quand même, je me prends pas la tête. C'est des coiffures genre super rapides à faire, super simple, pas trop compliqué, et c'est mes préférés. Je trouve que ça me va assez bien, et c'est bien. Après mes cheveux sont pas super longs non plus, c'est bien pour mi-court, mi-long, et pour ma catégorie de cheveux, ça me va bien. C'est tout pour cette fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.